Mais chérie, ça va? Ah bah bien sûr. Maman, t'as vu, il y a papa? Ouais. Hein? Je te rappelle, c'est toi qui vas chercher Camille mercredi, au poney. Vous êtes mariée? Je suis veuf. Et je suis morte d'une cirrhose, hein? Une cirrhose. Voilà. Mais pas toujours, hein? Ah non, la dernière fois, t'as eu... Oh. Un accident de parapente. 2000 mètres de chute sur les galets, tu t'es écrasé comme à Carpaccio. Carpaccio de toi. Le Carpaccio de moi, d'accord. Tu repars avec les assiettes sales. Je le savais. Ça va Antoine? T'as l'air en forme. Pistolet! Pistolet Antoine, mais pourquoi faire? Enfin t'es fou, tu viens d'en réchapper, la vie est merveilleuse. Pipi, il a dit pipi. Le pistolet pour faire pipi. Bon, tiens, vas-y, Baptiste. T'es célibataire. Attends, mais je vois pas le rapport. Alors, parce que je me suis fait larguer, je suis devenu pédé, je peux toucher des bites. Oh, arrête, enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis marié. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non, je suis désolé, je vois pas le rapport. Il dit Yves, en plus. Je crois qu'il veut que ce soit toi. Je vais t'aider quand même. Ouais, je veux bien. Ça y est. T'as les mains douces, hein, ça t'excite. Hein. Ah, Dieu, ça lui fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je vais te poser la même question. Moi c'est la première semaine, toi c'est la deuxième mais semaine. Mais non, je te dis que non. Non mais tu te sens bien ou quoi? Ça fait 25 ans, c'est mes potes, c'est moi qui te les ai présentés. Non mais c'est énorme ça, c'est mes amis aussi. Et Antoine? Antoine? Avant qu'on se retrouve à la patinoire, tu l'avais jamais vu Antoine? Alors là tu tombes très très mal parce qu'Antoine j'étais sorti avec lui bien avant de te connaître. Comment ça t'es sorti avec Antoine? Hein? Non? Antoine? Il y a prescription, écoute. Oh putain, je l'attendais. Le mot magique, il y a prescription. J'ai baisé ta femme, il y a prescription. Je t'ai crevé un œil, mais il y a prescription. J'ai violé ta mère, mais il y a prescription. Que aujourd'hui, Olivier est un mec, c'est pas la question, je m'en fous. T'es un mec? Mais pas avant, pas avec un pote. Pas dans le passé, quoi. Je veux dire, c'est une question de respect.